se lever, participer. Nous vous voulons tous. Et je vous souhaite tous bonne chance. Que Dieu vous bénisse tous. Merci. J'espère que des gens qui sont en politique dans le pays, des parlementaires, nous font fort si nous souhaitons faire frontière était fort pour nous intervenir parce que nous avons vraiment comprendre la question. Le général Henri Nanfi, ancien président de la République d'Haïti, vit depuis quelque temps en République dominicaine. Et selon ses dires, à travers des proches du général Henri Nanfi, puis il dit que le pape jamais mettait pied en Haïti. Mais c'est une décision personnelle. Mais écoutez, c'est un général de l'armée haïtienne, c'est un ancien président de la République d'Haïti. Et les réflexions qu'a faites, il y a des gens qui croient que lui a même changé patrie. Tout ça, c'est des considérations. Dans l'émission Matin Débat, au début de cette semaine, lundi dernier, nous annoncé, et jusqu'à présent, le général Henri Nanfi ne supporte pas trop bien. Et la famille s'inquiète. Le général l'a baissé en pile. Et parlant à l'un de ses proches, le médecin en République dominicaine t'a même fait croire que il n'y a pas pile temps qui était. Que nous pas souhaité quand même, comme humain et comme haïtien, parce que quand même c'est un général haïtien. C'est un ancien président qui a vécu en République dominicaine. Et ce matin, très tôt, tu as pile rumeur sous la mort général là. Mais dans plusieurs coups de fil que nous passons, et général là, il a beaucoup mouru vraiment, mais état de santé très critiqué. Alors, débat matin, dans que nous-mêmes nous intervenons sous lui. Et nous te font passer sous lui lundi dernier. Même dans que nous-mêmes nous intervenons sous lui matin, avec l'émission matin débat. Est-ce que l'on monde au président ou mourir, est-ce que cadavre, je dis, lui appartenait encore à famille? Est-ce que dit pas, je dis, de la responsabilité de l'État pour assurer le funérail? Parce qu'on fonctionne pour arriver dans la vie ou pas mettre tête encore. Si ça t'arrive que général Henri Nanfi t'a décédé, que ne pas t'a souhaité, mais vu que y a une rumeur qui a fait, qui a circulé de tous côtés, depuis le matin sur la mort du général Henri Nanfi, si ça t'arrive que l'État a mouru, est-ce que c'est Saint-Domingue qui a fait un monde? Est-ce que Haïti n'a pas dû réclamer le cadavre là, comme son ancien président de la République? Et à ce titre-là, le cadavre là pas encore, il n'est pas de la responsabilité de la famille, vu que son ancien président donc de la République. Et c'est là que nous intervenons avec moi, parce que tôt ou tard, ça va faire débat quand même. Et vu l'état de santé, en fait, du général, je dis en République dominicaine. Est-ce que là, que font mes souhaité ou bien qu'il pas souhaité, l'État ici va être intervenu pour tabay, général, là, c'est président ça, funérailles qu'il t'a mérité. Que ce soit funérailles nationales ou bien funérailles officielles. D'ailleurs, maintenant de nous là, mais encore, n'a pas souhaité un propre établissement au général Henri Nanfi, mais je souhaitais que famille, là va, Marie Saint-Tuyo, armée de courage, dans le dernier moment, ça y est là. Mais, information, t'as fait que, et si c'est pas un matin, c'est un après-midi. Genre que, ils aient tout dit,
chaque monde gagne main l'eau sol pa yo. Donc mais nous-mêmes son dossier n'a suivi en pile. D'ailleurs on voit que c'est seulement matin débat. Et seulement matin débat qui parlait de maladie générale en rien en fuit. Donc son dossier que n'a suivi ici en émission matin débat. Maintenant madame nous font une intervention avec moi parce que nous connaissons que émission matin débat c'est émission pas nous. C'est émission côté que nous-mêmes nous toujours gagne panneau pour nous placer dans débat qu'a fait dans émission matin débat. Est-ce que si ça t'arrive, général Henri Nanfit a mouru, est-ce que l'État haïtien t'a doué funérailles nationales ou bien officielles? 44, 54, 57, 57, on allait par été trop, on va aller dans une question ça ensemble dans l'émission Matin Débat. Si ça t'arrive, général Henri Nanfit t'a mouru, ancien président de la République, est-ce que l'État haïtien t'a doué funérailles nationales ou bien officielles? On allait 44, 54, 57, 57, bonjour, bienvenue dans l'émission Matin Débat. Bonjour, mais quand vous faites pays à trop mal, vous ne pouvez pas vous faire un national. Et vous mettez pays à l'État, un président. Donc c'est nous-mêmes qui avons enterré pour nous? Oui, la famille a enterré parce que vous avez volé l'argent pays, il y a le vivre de l'autre côté, il y a le phénomène, il y a le phénomène avancé du pays à Haïti, même la misère. Très bien, merci en pile. Alors, il faut que nous comprenions une question. Est-ce que c'est ce domaine qui garantit un ancien président pour nous, mais un ancien général? Il y a tout aspect également. On a les 44, 54, 57, 57. On nous intervenu sans émotion, ok? 44, 54, 57, 57. Si général là t'a mouru, ancien président t'a mouru, est-ce que ce domaine t'a dû enterrer pour nous, mais nous-mêmes nous t'a dû prendre cadavre nous enterrer? Sans aucune autre considération. Bonjour, bienvenue dans l'émission Matin Débat. Allô, bonjour. Bonjour. Baissez votre micro, d'accord? Je m'appelle René Nouveau Désir, je vais aller dans le même cas. Où passez qu'on y a, où passez? Baissez-vous le mètre pour vous là. Oui, bon, comme mon petit éloigné là. C'est bien balé. Bon, comme vous le président, vous méritez quand même un funérail national. Comme vous connaissez le canon pays encore. Bon, monsieur, bon, comme vous connaissez le député, monsieur était naturalisé en Dominicanie. Donc, vous avez le gouvernement qui connaît le funérail qui s'appelle, c'est vous. C'est bien. Merci en plus. Ma couteau pas ma couteau tout ça avant la honnête. Merci un peu. Ok, si naturalisé. Alors, magasin, tu vas arrêter de faire. Baissez votre micro à côté là. Allô, si naturalisé, ça sonne dans ta semaine. Bonjour, bonjour. Nous, Nouveau, s'il vous plaît, on répond pas ça là parce que nous, mettez que bon bon là pour la voulue, nous vous la voulons, mais bon. Et ce président, ça m'a prouvé son indignation. Pour l'État, il n'y a pas ici à vivre. Il y a fait un million dans le pays. Il y a le bail Saint-Domingue manger. Il va être le bail Saint-Domingue. Peut-être parce que l'ancien président, ça arrive qu'il paye. C'est l'on fait bien pour payer ou qu'il paye ou son bon bagage. Ou pas faire un autre crâne à toute richesse. Il y a le vivre, il y a l'autre pays vivre. Quand il y a la boule, il y a le peuple, ça dans le misère. Il y a la boule, il y a le on va être tête, on va être toute vie ancien président pays d'Haïti. D'accord, merci un peu. On nous réfléchit ensemble, tête faite, ok? Tête faite sans émotion. On allait, 44, 54, 57, 57. Si le président Henri Nanfit t'a mouru, est-ce que l'État haïtien t'a doué et récupérer le cadavre là pour l'Ibali et enterrement que l'État mérité, officiel ou bien national? Bonjour, bienvenue dans l'émission Matin Débat. Pas arrêté trop, bonjour. Bonjour, Louko, comment vous? Non, là, très bien. Mon cher, soit dire les gars, plusieurs facteurs. T'as coulé pour un président qui est légal, t'as voté pour un président René Pouval. C'était dans le pays. Là, je veux dire tout le monde, tout le monde était dans le pays, il était fait tout le pour le faire dans le pays. Même quand il y a une fille comme on a dit, son traite, son trahison. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il a fait une président dans le pays et puis il fait toute fortune dans le pays et puis il a investi dans le pays. Dans le cas, ça même, ouais. Mais avec un peu choix déjà, ça veut dire qu'il a fait choix pour la Tinoumen, pour la mourir dans l'autre pays et puis pour le même pays, ça a été. Haïti n'a pas gagné ouais, avec Henri Nanfit. C'est comme si on oubliait son cas isolé, c'est le côté de l'IA, il fait ça. Eh bien, mais son bill 44-54,
57-57 et 44-54-57-37. Bonjour, bienvenue dans l'émission Matin Débat. Bonjour. Position pour là. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Ouais, même position femme. C'est que vous avez un fillon. Vous avez un fillon national. Vous avez naturalisé, dit que c'est pas ici encore, c'est 2015. C'est bien. Très bien. Très bien. Merci en pile. 44, 54, 57, 57. On allait, on nous réfléchit, on nous. Et on nous garde des questions. Ça, tête faite. Bonjour, émission Matin Débat. Bienvenue dans l'émission. Baissez le volume radio. Bonjour. Baissez le volume radio. Bonjour. Ou bien déplacé. Allô. Oui, allez, on allez. Bon, moi, c'est mon réel, parce que son ancien président lié. Il n'est pas question de l'idée qu'il fait tout barrage en Haïti. Nous savons devant des familles, avec les mêmes s'il dénaturalisé. Ça, et ça qui fait que les Guinois pas, comme d'habitude, ça pas enterré en Haïti. Ou bien, c'est normal, Haïti qui apprend un cadavre pour monter en national pour lui. Mm-hmm. Merci. Très bien, merci en pile. N'a pas encore quelques rappels pour nous capables de finir avec le premier point. L'émission Matin Débat, 44-54-57-57. C'est le numéro de téléphone qui est capable de relayer pour intervenir dans le cadre de l'émission. Ok, le général Henri Nafi, ancien président de la République d'Haïti, s'il t'a mouru en République dominicaine, est-ce que Haïti doit le funérail national ou bien officiel? Est-ce que tout n'a quitté le cadavre dans la Dominicanie pour Dominicanie faire enterrement? Je me rappelle que la République dominicaine a une loi. Ok, une loi en République dominicaine de vous mourir. Et par an, famille ou gen 3 jours pour le fantaiement. Passer 3 jours, si l'entendement va fait, c'est l'État qui a fantaiement pour Jean li même li ka fèl. Ok? Pas oublier ça. 44-54-57-57. Oui, bonjour. À Cap-Fest. Nous là, mon frère. Oui, Louk, c'est pour moi, Louk. Oui. Tout le monde qui a été dans le monde, il va y avoir des gens qui ont habité le pays. C'est pire pays, c'est pire pays. Très bien. Les gens qui ont été dans le monde. Très bien. Merci un peu. 44-54-57-57, débat li ouvert, débat li là pour tout le monde, vous capable d'intervenir. 44-54-57-57, ça c'est mon numéro de téléphone capable de participer dans l'émission Matin Débat. Bonjour, bienvenue dans l'émission Matin Débat. Allô? Vous m'avez parlé? Allô? Communication difficile avec l'auditeur, ça, on allait. Matin Débat, bonjour, baissez votre mouille à tout la KOA. Allô? 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 Oui, bonjour. C'est Luko, comment est-ce? Nous là, mon frère. Salut tout auditeur, auditrice, c'est Matin Débat. Mm-hmm. Bon, si l'État haïtien a pris engagement pour le faire funérailles et ancien président, qu'on est l'État son traite. Mm-hmm. Parce que dans l'hymne national, nous on dit, dans nos rangs, point de traite. Correct. Ça veut dire que c'est Dominique pour qui enterre M. Lacayo. L'État n'a pas supposé entrer avec quoi en Haïti. Monsieur son traite national. Très bien. D'accord, monsieur Doukou. Merci en pile. D'accord. Très bien, merci en pile. N'a pas encore trois appels. Trois appels encore matin, sous question ça. Bonjour, Matin Débat. Bienvenue dans l'émission. Bonjour. Bonjour, Matin Débat. Comment nous y nous là, mon frère. Tendez non, Doukou. Tendez débat, oui. Mais, l'exemple, vous faites payer à mal, men. L'exemple, vous faites doué mourir l'autre côté, puisque c'est Haïti qui a été enterré. Imaginez-vous. Ou prend tout l'argent payé à investir dans l'autre pays, et puis l'homme moins qu'on y a là, vous avez l'argent tac moins, et moi même qui vous venez à garder en termes ici, quand moi même m'a passé misère ici, Louko. Très bien. En sérieux, man. Très bien. Très bien. Merci en pile. On a pris encore trois appels, on a fini. On a les trois appels. Et 44-54. Bonjour, bienvenue dans l'émission. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, Louko, Haïti pas besoin de connaître comment mon ça a passé. Moi-même, Dominique, mais fondamentalement, monsieur, n'est pas de gens passer le passé, parce que, j'en ai mon d'ailleurs, depuis ces mondes qui ont fait Haïti mal, qui ont mangé l'argent peuple, ça, qui ont pris l'argent peuple, ça, pour aller faire, ou bien, ou aller faire l'autre pays riche, ou te mettre, c'est mourir, nous pas besoin de connaître comment passer. C'est Dominique, mais fondamentalement, et ancien président, nous pas besoin de connaître comment me chanter lui-même. D'accord. Merci en pile. 44-54-57-57, on a pris encore deux appels pour nous capables de finir. Et bien ensuite, pour nous garder, donc, question 14 juin. Et bien, dans la deuxième partie, nous allons recevoir, donc, Marc Arthur Douya, ancien candidat à la présidence. Donc, dans l'émission Matin Débat. Bonjour, Matin Débat. Bienvenue dans l'émission. Ah, M. Louko, comment est-ce là? Nous, là, mon frère. Naboulé. Naboulé. Mon cher premier bagage, pour vous dire, et me songer Félix Lavi. De vous-même, j'ai remplacé, monsieur. Très bien. Mon cher vagabond, ça, nous pas besoin de compte qui j'ai repassé. Parce que on fait payer à trop mal. On vend trop mal. Tout gris masque là aujourd'hui,
nèg sa yo responsable. C'est eux même qui peut tracer chemin avant. OK. Très bien, merci en pile. Désormais même senti Félix Ami a vivre dans où. D'accord. Attendez, parce que moi pilote dit pas d'où ça. D'accord, merci. OK garçon. D'accord, merci. Très bien là. Merci en pile. Dernier appel Mathieu sur question ça 44 54 57 57. Bonjour. Allô, bonjour. Oui, ou c'est dernier monde qui a fait une émission ce matin. Et sous question ça, en forme. Moi, très bien, pas un problème. Merci en pile. Merci, d'accord. Bon, ok, bon. Eh bien, oui, parce que pour qui ça nous-mêmes, non, et matin débat, nous recevons un appel, parce que ce sont des questions qui peuvent l'agiter. Et son question que nous allons jouer dans l'actualité, si ça t'arrive, ouais, que le général a lui-même, donc il quitte ça. OK? Et alors, monde qui c'est autorité, probablement, nous allons attendre plusieurs interventions. Donc, si nous t'avons attendu une nouvelle mort, donc le général. Là. En tout cas, bon, ça c'est et pour partir l'émission matin débat, je veux dire une nouvelle émission qui est chargée. Mais c'est surtout prêter attention, dans ça nous allons discuter, débat nous allons faire, sous question d'appoi. Bonjour. Que Dieu vous bénisse tous. Merci à vous.